Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce jeudi. Oui, de ce jeudi 20 janvier 2022. On est déjà le 20 janvier. Vous vous rendez compte comme cela passe vite? J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, j'ai pigé Inspiration, magnifique carte, magnifique graphique. Alors l'inspiration, vous avez peut-être beaucoup d'inspiration et elle commence dès maintenant. Et peut-être, en voyant ce graphique, que vous inspire le ciel rose étoilé qu'on voit sur la carte. L'inspiration est un souffle créateur qui anime notre âme artistique. Elle est comme une idée soudaine et spontanée. Vous n'avez pas besoin d'avoir un talent artistique particulier, n'est-ce pas, pour être inspiré? Pas du tout. Ce sentiment peut vous permettre, eh bien, de développer votre côté magique et votre côté rêveur, n'est-ce pas? D'accroître votre imagination, de vous reconnecter à vos instincts et de développer ainsi votre capacité à vous émerveiller pour des choses simples. Alors, savez-vous où se développe votre inspiration? Il y a tellement, tellement, tellement de possibilités. Eh bien, c'est à vous de le trouver là où il est. Voyez cela comme, eh bien, pourquoi pas une chasse au trésor. Cherchez ce qui vous touche, ce qui vous procure des émotions, ce qui vous procure, eh bien, des frissons, et peut-être que quelque chose naîtra par, eh bien, par la suite de cette inspiration soudaine. Et pourquoi pas, laissez-vous guider. Et pour trouver où et comment développer votre inspiration, eh bien, soyez attentif. Soyez attentif aux émotions qui naissent en vous. Lorsque vous regardez certaines couleurs, lorsque vous regardez certaines images, n'hésitez pas à observer des, pourquoi pas des tableaux, des photos, à découper des images ou des textes que vous aimez dans, ça peut être dans les magazines, n'est-ce pas? Et pourquoi pas écouter de la musique, hein? Mais vous pouvez aussi trouver l'inspiration en lisant, en écrivant, en vous baladant, dans la nature, ou en faisant du sport, par exemple, n'est-ce pas? Tout est possible pour trouver l'inspiration. Laissez-vous guider et vous la trouverez. On termine par le message lumière et aujourd'hui j'ai pigé
retrouver la lumière. Eh bien, rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Les pensées d'amour attirent des situations d'amour. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Et par la compréhension, n'est-ce pas, je me sors de ce gouffre de ressentiment. Et ainsi la paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Retrouver la lumière, mais oui, se plaindre, s'apitoyer sur son sort, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc retrouver cette belle, belle lumière. Très beau message. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve demain pour le dernier message de la semaine. Et d'ici là, eh bien, je vous embrasse. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et à demain.